Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le choc de la 30e journée de Ligue 1 qui a eu lieu hier entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Et les Parisiens ont frappé un grand coup en s'imposant 4-2. Un succès qui fait la une de l'équipe ce matin avec ce titre « La vie en rose ». Le PSG a repris les commandes du championnat après une victoire convaincante à Lyon. Mbappé a inscrit un nouveau doublé pour atteindre les 100 buts en Ligue 1. Pour le Parisien, c'est un véritable coup de maître réalisé par les hommes de Mauricio Pochettino. De son côté, le Progrès estime que l'OL a été surclassé par les Parisiens en grande forme. Hors sujet, les Gaunes n'étaient pas en mesure de prendre la tête du championnat, résume le quotidien local. Car si Paris se réveille en tant que leader ce matin, c'est parce que Lille a chuté à domicile contre Nîmes hier 2-1. Pour la Voix des Sports, le LOSC a perdu la tête et les Parisiens en ont profité. On file en Angleterre où se jouaient hier les quarts de finale de la FA Cup entre Manchester United et Leicester. Et ce sont les Foxes qui se sont imposés 3-1. Une défaite des Red Devils qui fait la couverture du Times ce matin qui résume simplement que United est éliminé de la compétition. Ce revers fait aussi la couverture du Daily Mail qui estime que c'était une course dans le vide, alors que Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur mancunien, a pointé la fatigue de ses joueurs pour expliquer cette défaite. En effet, les White Devils ont enchaîné ces dernières semaines et ont sans doute perdu des forces lors de leur qualification pour les quarts de finale de l'Europa League en éliminant l'AC Milan en 8e. Enfin, le Daily Mirror nous apprend que les arbitres de Première Ligue reçoivent des bonus financiers en fonction du nombre de cartons jaunes distribués au cours de la saison. C'est Mark Elsey, aujourd'hui à la retraite, qui révèle l'affaire. Si cela se confirme, cela pourrait faire grand bruit outre-Manche. On prend la direction de l'Espagne où la course au titre continue de faire rage en Liga. Avec la victoire du Real Madrid samedi, l'Atlético de Madrid n'avait pas le droit à l'erreur hier face à Alavés. Et les Colchoneros s'en sont bien sortis avec une petite victoire 1-0. Mais les hommes de Diego Simeone peuvent remercier leur gardien Jan Oblak. Comme le rapporte AS sur sa une, le Slovène a arrêté un pénalty à la 85e minute. Pour le journal madrilène, c'est une parade de champion et qui vaut de l'or dans la course au titre. Car comme l'indique Marca, il reste 10 finales à jouer. Et les trois prétendants ne se tiennent qu'en 6 points. D'ailleurs, si le champion en titre, le Real Madrid, ne va pas au bout et connaît une saison blanche, Zinedine Zidane pourrait claquer la porte en fin de saison. Mais la direction madrilène a déjà des idées pour remplacer l'entraîneur français. Comme l'annonce Mundo Deportivo sur sa une, les merengues pensent à Joachim Löw, l'actuel sélectionneur de l'Allemagne, qui partira après l'Euro 2020. Le champion du monde 2014 fait partie des pistes étudiées si Zidane part en fin de saison, explique le quotidien. Si l'Atlético de Madrid maintient le rythme en tête du championnat, le FC Barcelone ne lâche rien et a livré une véritable démonstration hier sur la pelouse de la Real Sociedad en allant s'imposer 6-1. Forcément, cela fait la une de Sport qui a vu un festival de la part des Blaugrana. Ce Barça montre qu'il est l'équipe la plus en forme du championnat, résume la publication catalane. Un soir de fête et de record, puisque Lionel Messi est entré un peu plus dans l'histoire du club en devenant le joueur le plus capé avec 768 apparitions. Il dépasse un certain Xavi, rien que ça. Pour Mundo Deportivo, c'était un Barça total hier soir à Anoeta. Alors que pour les Sportiu, le printemps est déjà là. Enfin, l'édition basque de Mundo Deportivo est beaucoup plus fataliste et placarde sur sa une un cinglant battu. Éliminé de la Ligue des Champions, le FC Barcelone va se battre jusqu'au bout pour au moins un titre cette saison. En Italie, c'est un véritable tremblement de terre qui a secoué la Juventus hier après-midi. En effet, les Bianconeri ont été battus par Benevento 1-0 et s'éloignent un peu plus du Scudetto. Forcément, cela n'augure rien de bon pour Andrea Pirlo. Ce matin, Tutto Sport fait sa une sur l'entraîneur de la vieille dame qui va devoir sauver son poste lors du derby contre le Torino. Le coach risque gros après le chaos choquant de la Juve contre Benevento, écrit le journal transalpin. Même son de cloche en couverture de la Gazzetta dello Sport qui estime que Pirlo a des ennuis. L'ancien milieu de terrain n'a plus le droit à l'erreur, sinon c'est aussi la qualification pour la Ligue des Champions qui risque de s'envoler puisque l'AC Milan l'a emporté 3-2 sur la pelouse de la Fiorentina grâce à un Zlatan Ibrahimovic qui emmène tout le monde dans son sillage, comme le souligne le journal Le Papier Rose. Surtout, le Napoli s'est imposé face à la Roma 2-0 et revient à 2 points de la vieille dame. Le faux pas est interdit désormais pour Pirlo. On termine ce tour de la presse en Allemagne où le Bayern Munich a tapé du poing sur la table concernant l'avenir d'Hansi Flick à la tête de l'équipe bavaroise. Alors que des tensions existent entre le coach et ses dirigeants, celui-ci ne sera pas libéré pour prendre en main la sélection après l'Euro 2020. C'est ce qu'indique Bild sur sa une ce matin, le Bayern ne laissera pas partir Flick car l'entraîneur allemand réalise des prouesses avec les champions d'Europe en titre et les dernières rencontres ne font que renforcer ce sentiment. C'est ce qu'indique Kicker ce matin qui évoque une véritable démonstration ce week-end contre Stuttgart. En effet, les Bavarois étaient réduits à 10 mais l'ont emporté 4-0 grâce notamment à un triplé de Robert Lewandowski. Un message fort pour Leipzig et les autres prétendants, résume le billet hebdomadaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.